depuis les débuts de l'épidémie, depuis janvier jusqu'à maintenant, nous avons hospitalisé aux alentours de 70 malades. Ici, je parle de rougeole compliquée. Depuis quelques temps, nous avons noté progressivement une baisse. Cela peut être dû, bien sûr, au début de la vaccination contre la rougeole. Cette vaccination donc, est une riposte vaccinale. Et bien sûr, on commence à voir les conséquences au niveau de l'hôpital où il y a peu de malades qui sont hospitalisés maintenant. Journalièrement, on arrive à vacciner presque 22 à 25 000 enfants. Ce n'était pas gagné d'avance. Il y a eu plusieurs cas de vaccination ici en Guinée où les populations ils ont chassé les intervenants. Mais en tout cas, ici, on peut parler d'un certain mariage qui existe déjà entre l'organisation Alima et les populations et les communautés locales d'ici. Déjà, des Conakry, il fallait amener toute la logistique. Des Conakry, ça fait plus de 1000 km de route jusqu'en Dzérékoré pour pouvoir organiser la réponse. Et on a mis en place une nouvelle chaîne de froid au niveau du district sanitaire ici. Et donc voilà, et jusqu'à ce que maintenant, on commence à assurer la riposte vaccinale en collaboration avec les autorités sanitaires et d'autres partenaires grâce à un financement des ECO. Au cours de l'épidémie de Ebola, nous nous sommes rendus compte que nous avions une faiblesse dans le système de surveillance, surtout la faiblesse au niveau communautaire. Et donc avec l'appui de tous les partenaires, et précisément de Alima pour la préfecture de Dzérékoré, nous avons pu mettre en place un système de surveillance à base communautaire, impliquant les communautés à travers des agents communautaires qui remontent toutes ces données sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Et je pense que cela a joué un rôle dans la détection précoce de cette épidémie de rougeole. Et en constatant de manière précoce, on a évité la propagation rapide de ça.